Moser en 8,57. Avec. Alors, nous sommes chargés des ogives d'époque, avec la poudre d'époque. Par contre, étui et amorce actuelle, hein, c'est. C'est quoi ça? C'est de la PPU, des études PPU. Voir ce que ça donne au niveau de la poudre. Puis j'ai mis une cible à 200 mètres. Voir ce que ça donne à 200 mètres. Je vais voir où ça tape, comme d'habitude. Hein. Une petite séance bien sympathique, histoire de voir si elles sont toujours bien précises. Enfin bref, vu l'état des ogives, elles sont un petit peu corrodées. Je doute quand même un peu. Enfin, on verra bien ce que ça donne. Bon allez, je vous dis à tout de suite. C'est parti mon kiki. Alors là j'ai tiré, alors c'est de, avec des ogives, c'est de la 152 à 153 grains, et puis bah, c'est la poudre des ogives, j'ai mis 2,80 g alors qu'elles étaient à 3,20 g hein, quand je les ai démontées. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est à 400, 200, 300, je vais mettre à 400. On va voir ce que ça donne. Alors, ça sera peut-être me gêner, comme d'habitude. Allez, c'est parti mon kiki, on va voir ce que ça donne. Alors c'est un petit peu flou ça. Oh, c'est pas grave. Voilà. Allez. Alors ce que je vais faire, je vais viser le bas du visuel noir. Ça frite, hein. Oh la vache. Bon, pas de surpression. Hein. Putain, je suis... Si je reste dans le noir, c'est pas mal. Hein. Ouais, je fais un 6, un 9. Canon commence à chauffer apparemment. Ouais, ça part un petit peu sur la droite. Je sais pas où je suis là, je la vois pas ça.
Alors, je sais pas où elle est partie. Ah, elle est partie en bas, on dirait. Ouais. Je pense, ouais. Elle est tout en bas. Commence bien. Bon, à 200 mètres, c'est pas sacré ça, mais bon, pas trop bien non plus. Alors maintenant, par des ogives 196 à 199 grains, et j'ai mis 2,60 g. Bon, il y en a qui sont un petit peu corrodés, on verra bien. Ils sont un petit peu fatigués. Ça tape. Alors, j'en ai une complètement en bas et j'en ai quatre autres en haut. Là, j'ai tué pareil. Alors, est-ce que je tire un peu plus haut ou je tire un peu plus bas? Que je dois tirer un peu plus bas. Je vais reprendre l'impact. Donc je vais remonter la hausse. Je vais mettre sur 500. Bon, nickel. C'est que je... Ah ouais, je tire vachement bas quand même. Oh. Ouais. Je tire vachement bas. Je suis sur le 1. Je vais la mettre à 600. C'est sec, hein, la vache. C'est très très sec. Ou apparemment, bah, je suis dans le 9. Ouais, je suis dans le 9.
Je suis un petit peu à droite. Ça part sur la droite. Je sais pas, je vois plus, j'ai pas comptabilisé. Donc là, t'as la poudre, elle frite, hein. La vache. Ça frite, ça frite. Je sais pas si c'est de la poudre vive ou quoi, mais putain la vache. Bon, apparemment ça restera un petit peu sur la droite, entre le 3 et 4 là. Je verrai ça à la vidéo. Bien, en sachant que l'arme n'est pas réglée pour cette munition, à part certaines qui se sont retrouvées en bas, mais ça c'était pour le réglage. Et honnêtement, c'est pas mal. L'avantage c'est quand on récupère des vieilles munitions, et ben la poudre elle coûte pas cher. Non, ça c'est l'avantage, ça coûte pas cher du tout. Bon, par contre, il ne faut pas récupérer les amorces, hein, parce que c'est de l'amorce perdant en plus sur les études d'époque. Donc, à mon avis, de la moitié foutu. Enfin voilà. Et bien écoutez, cette petite séance se termine sur le Mauser Yougoslav. Va suivre d'autres vidéos. Moi, je vous dis bonne journée à vous.
Petite vidéo toute tranquille. Bon, allez, je vous dis à bientôt, les gars. Allez, bye bye.